Rebonjour à tous pour ceux qui étaient déjà là. Donc, je ne vais pas tout répéter. Je bosse chez Tiny Clues. Je présenterai plus tard parce qu'on est sponsor. Je m'appelle Boris Fell. Vous me trouvez sous le pseudo Loti Raldan un peu partout sur le web. Et aujourd'hui, je vais vous parler quoi? Des microservices. Mais avant de parler des microservices, on va se raconter une petite histoire. Donc, le petit disclaimer légal. Si ce que vous allez entendre ressemble à des événements que vous avez vécu dans votre boîte, dans des boîtes, et que ça ressemble à des gens, c'est normal, c'est fait exprès. Donc, il était une fois, dans une petite entreprise, un développeur, un testeur, un DevOps et un product owner qui travaillaient tous ensemble, la main dans la main, en harmonie. Mais avec le temps, le petit projet est devenu un peu plus grand. Pardon. Le petit projet est devenu un peu plus grand. Il y a eu de plus en plus de besoins urgents qu'il faut absolument merger parce qu'on fait une démo à un client super important pour demain. Et généralement, comment ça se passe dans ce type de situation? Il y a le dev qui va faire si je dois encore toucher à ce projet et faire un hotfix, c'est simple, je me tue. Le testeur qui va dire ah non, mais t'es sérieux? J'ai les 204 tests à tester manuellement avant demain. Non, mais c'est bon, je suis bon pour une nouvelle thérapie. Le DevOps qui va dire, ouais, cool, on va déployer, je vais avoir 4 semaines d'astreinte, je peux acheter une nouvelle voiture. Et donc généralement, les conflits émergent. Et bon, business is business, donc on fait quand même le hotfix. Au final, c'est la merde. Toute l'équipe commence à avoir peur. Oh non, j'ai cassé la prod, j'ai cassé la prod. Oh mon Dieu, rollback, rollback. Ce qui rend la peur du changement, bien sûr, de plus en plus grande. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on a peur du changement? Qu'est-ce qui se passe quand il y a quelque chose qui fait mal? Ben, on le fait moins souvent, on l'évite, mais c'est normal, on est humain. Du coup, on aimerait bien que quand on est dans cette spirale, petit sondage, qui a déjà été ou est dans cette spirale? Je noterai pas les boîtes, vous inquiétez pas. Bon, ben. Ça va, je pensais plus. On aimerait que ça change. Mais on aimerait que ça change sans changer. Et si on change rien, bah, ça ne change pas. Pourquoi on a ce problème? Comme on l'a dit ce matin, on n'a qu'à utiliser des technologies boring qu'on maîtrise. On fait du Plone sur du Python 1, sur un Ubuntu 9.04. Ah non, pardon, ce n'est pas le sujet de ma conf. Pourquoi on a tous ces problèmes? Et une grande partie du problème humain, mais je ne vais pas avoir le temps d'en parler, j'ai parlé des problèmes techniques, c'est que la plupart des projets sont développés comment? La plupart des projets sont développés comme un monolithe, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités à un endroit, dans un gros repo, vous avez de la chance, il y en a plusieurs, qui est dur à changer, puisque plus il est gros, plus la suite de tests met du temps à s'exécuter, plus la doc met du temps à s'exécuter, plus il y a des couplages à droite à gauche. S'imaginer. Vous avez une inertie dans le refactoring, vous avez une inertie pour faire les améliorations, et vous avez des fois l'impression d'essayer de faire tourner un porte-conteneur à 90 degrés. Ça prend du temps, sur le lac Léman ça va être difficile, sur l'Atlantique ça va. Le monolithe aussi, l'un de ces problèmes, c'est comme tout est packagé dans une seule unité, donc un binaire si vous faites du Go ou un package Python, bah, quand vous avez besoin de le faire scaler, bah, vous prenez un nouveau serveur et vous le recopiez. Même si là-dedans, il y a peut-être 70% du code qui est quasiment jamais appelé parce que vous l'appelez une fois par mois pour faire de l'analytics. Les microservices ont une autre approche où ils disent, plutôt que de mettre toutes les features dans le même sac, on va packager chaque feature individuellement. Et du coup, si on a besoin de le faire scaler, on va déployer deux nouvelles instances de ce microservice, mais pas des autres. Donc les microservices, c'est des composants isolés, petits et qui coopèrent entre eux. Le but des microservices, c'est de s'attaquer aux sources de ces problèmes qui amènent la peur du changement, qui est la complexité, l'inertie. Genre, on a toujours fait comme ça,
Ouais, mais attends, si faut changer la base de données, bah il y a 600 requêtes SQL à changer, etc. Donc si on va prendre un petit exemple, vous verrez mieux. On va prendre un microservice qui gère les users. Donc ce microservice est petit, il est simple, il est facile à comprendre, il tient dans la tête, et donc il est facile à maintenir. Ce microservice fait aussi une seule chose. Il n'en fait peut-être qu'une, mais il le fait bien. Donc c'est l'Unix Way. Et c'est lui qui gère tous les utilisateurs. Si on a une question sur un utilisateur, c'est à ce service qu'il faut demander. On ne va pas avoir de duplication, par exemple, d'un utilisateur en deux bases de données. Il faut essayer de les synchroniser. Un microservice, il faut le considérer comme une black box. C'est-à-dire qu'il a un contrat. Si vous avez fait des API REST, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il retourne? Qu'est-ce qu'il accepte? Et le format. Donc, comme j'ai dit, les microservices sont isolés. Généralement, ils sont isolés sur le réseau, ce qui fait que, du coup, ils doivent communiquer sur le réseau, mais ce n'est pas possible de leaker des données entre les services. On a tous arrivé à un moment où il faut faire un hotfix et je vais faire un appel à l'ORM Django dans le template parce qu'il faut le faire. Et ah mince, après, dès que je veux faire une mise à jour, j'ai 50 000 fichiers à mettre à jour. Là, ça parle sur le réseau, donc pas de leak possible. Plus facile à faire scaler. En effet, si le microservice sur les users se prend beaucoup de trafic, vous spawnez plus d'instances. Et avec le load balancer, ça marche. Aussi, point intéressant, on aime tous Django. Django, c'est la vie. Mais des fois, pour traiter UXML ou faire du SOAP, c'est pas l'idéal. Donc, un microservice, vu que les autres microservices discutent en suivant un contrat, si vous remplacez votre microservice en Python par un microservice en Java, s'il respecte le contrat, ça marche. Parce que c'est sur le réseau et vous ne pouvez pas leaker des données, vous ne pouvez pas accéder à cette petite attribut cachée dans la classe que vous utilisez. Et pareil, la persistance des données, vu que c'est par microservice, on évite dans une architecture microservice d'avoir tous les microservices qui sont isolés mais qui partagent quand même la même DB et qu'on fait des joins entre. Là, vous pouvez avoir un microservice en Python qui est écrit dans du Redis et un microservice en Go qui est écrit dans du Cassandra. Aucun problème. Donc, malheureusement, on m'a demandé de parler de Python parce que honnêtement, j'aurais aimé en dire plus sur les microservices. Donc j'ai donné un BBL justement sur les microservices à propos de tout ce qu'il faut faire attention quand il faut faire des microservices. Donc c'est ce que parlait le speaker ce matin et je le remercie. C'est pas gratuit de faire des microservices. Si vous avez besoin de vous poser la question, allez voir mon autre présentation. Parce que maintenant je vais vous parler de Python. Donc vous voulez faire des microservices, vous voulez les faire en Python, bon choix. Qu'est-ce que vous avez besoin dans un framework de microservices? Déjà, microservices ils doivent communiquer. Donc vous avez besoin d'une brique de communication. Vos microservices doivent se découvrir sur le réseau. C'est quelque chose qu'on a tendance rapidement à oublier. C'est comment on les écoute, on se dit oui, on va mettre l'URL dans le fichier de config. Ah oui, qu'est-ce qui se passe quand je le mets à jour? Je dois mettre à jour les autres microservices, donc c'est pas isolé. C'est pas grave, je vais le mettre dans un etcd. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai plusieurs instances, etc., etc. C'est quelque chose qu'on doit répondre et il y a déjà pas mal de librairies open source qui existent. Le data backend, parce qu'il faut bien stocker et récupérer des données. Et au final, les interfaces. Parce que c'est cool de communiquer sur le réseau, c'est pas forcément du HTTP, mais parfois vous avez besoin d'avoir une interface HTTP pour les partenaires. Une interface SOAP, du WebSocket ou whatever, IRC, SMS. Et donc un microservice, c'est ça. C'est ce chef d'orchestre qui va prendre toutes ses briques pour répondre aux requêtes. Et donc, j'ai développé un projet depuis un petit moment qui s'appelle Zero Service et qui fournit pas juste toutes ces briques, mais la brique centrale considère en fait toutes les autres briques comme des plugins. Donc je fournis aussi une implémentation de tous ces plugins, par exemple le Communication Medium il est en 0MQ, mais si vous voulez en fournir un autre,
aucun problème, c'est fait pour, c'est vraiment modulaire. Donc c'est cet immigrant Python 3.4, comme je l'ai expliqué ce matin, c'est en asynchrone, et les changements sont broadcastés dans le système et via WebSocket. Donc c'est un framework orienté ressources. Quand je dis orienté ressources, c'est REST, mais sans HTTP. Ça veut dire que quand vous voulez créer, lire, mettre à jour ou supprimer une ressource ou faire des actions sur une collection, il y a une seule façon de faire. C'est particulièrement utile quand vous avez tous vos events qui sont broadcastés à l'intérieur de votre application, voire via WebSocket, parce que le piège, c'est d'avoir une API REST, de dire, OK, alors là, quand ma ressource, son nom a été mis à jour, alors j'ai mis un event comme quoi elle a été renommée. Et du coup, si on veut consommer ça, par exemple, dans une application JS, on va dire, alors est-ce que si l'action s'est renommée, je mets à jour l'attribut name avec le nouveau? Ça, c'est un piège, parce qu'on se retrouve du coup à mettre la logique des deux côtés. Là, tous les events, c'est pareil, c'est du CRUD, create, update, delete, etc. La REST API. Donc, de nouveau, comme le speaker ce matin le disait très bien, pourquoi mettre un couplage entre HTTP et votre code? Peut-être qu'un jour, vous n'allez pas faire du HTTP, peut-être que vous avez des use cases qui ne répondent pas à un API HTTP. Par exemple, dans mon exemple, on reçoit un commit Git. Ouais, j'ai pas d'appel HTTP. Vous voulez avoir une API WebSocket? Pourquoi ça devrait être dans votre code? Ou vous voulez faire de l'IRC? Pourquoi ça devrait être dans votre code? Est-ce que ça ne serait pas possible de définir votre code avec votre logique métier et de juste dire, bah, OK, je veux une API HTTP, je mets ça. Ah non, mais je veux du JSONLD, bah, attends, je change, je mets. Vous voulez faire du GraphQL ou du Falcor, ce qu'ils ont annoncé. Avoir une interface complètement générique qui accède à vos données qui vous accède à vos données via votre ici. Donc, à quoi ça ressemble? Un peu de code. Donc, la première ligne, on récupère une event loop async.io. Pour ceux qui ont fait de la async.io, pas de problème. On instancie notre médium de communication, notre discovery medium, ce qui va permettre à tous les services de se découvrir et de communiquer. On instancie un ressource service, donc lui, c'est l'orchestrateur, si vous voulez. On dit à ce service qui va gérer une ressource, qui s'appelle Power, qui est stockée en du Mongo. On dit qu'on démarre tout le bousin, j'ai envie de dire. C'est pas très lourd au final, et que ça tourne tout le temps. Très bien, donc là, si on lance ce process, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être un service qui gère une ressource de type Power qui répond à des requêtes zéro service. Ah, c'est bien, mais qui parle zéro service? Bah, pas grand monde. C'est pas grave, on va lui rajouter une API REST. Ok, ça ne rend pas comme sur mon écran, c'est pas grave. Pareil, donc les deux premières lignes sont pareilles, les trois premières lignes sont pareilles. Après, on récupère un HTTP interface. On lui donne donc notre service lié au loop. On dit sur quel port il doit écouter. On lui dit quelle origin, parce que ça supporte Corse. On lance l'application, on lance le service, et ça tourne. Ça donne quoi? Alors, je ne suis pas sûr que ça va être lisible, et je vais vous l'expliquer. Tout d'abord, on lance notre API. Ensuite, on lance notre gestionnaire de ressources. Ils sont découverts automatiquement. On lance une requête HTTP et on a le résultat qui est renvoyé de Power via l'interface HTTP. Donc là, ce qui s'est passé, une requête HTTP qui est arrivée, l'API l'a lue, l'a convertie en requête Zero Services. Comme il s'est découvert, il savait où il était dans le réseau, il a fait un appel. Power est allé chercher dans Mongo, a renvoyé le résultat. L'API a converti ça en réponse HTTP et la renvoyer. Il y a, allez, 20 lignes de code, même pas. Alors, le problème avec les architectures microservices, comme on a tendance à le faire, c'est qu'on va faire un endpoint HTTP et quand on veut faire un appel à un autre, bah, on va faire un appel avec request. Mais pourquoi pourquoi votre service aurait besoin de savoir où sont les autres services? Est-ce que ce n'est pas le framework qui devrait le savoir? Ben là, justement, l'API HTTP, je ne lui ai jamais dit où était le service qui gère la ressource Power.
Et du coup, on peut aller plus loin. On peut combiner dans le même process à la fois l'API HTTP et à la fois la ressource Power. Ce qui va faire que l'API HTTP va recevoir le message, elle va l'envoyer à 0.6, 0.6 va dire « Ah mais attends, j'ai la ressource en local, donc j'ai même pas besoin de faire d'appel réseau », il fait l'appel, il récupère la réponse, il renvoie l'HTTP, et ça marche. Et du coup, avec quasiment le même code, là, si vous avez du code à faire vous, c'est le MongoDB Collection, vous n'avez pas besoin de le changer, et ça fait pareil. Donc ça vous permet de commencer à jouer avec les microservices, d'écrire vos propres gestionnaires de ressources, de lancer tout ça sur un monolithe, mais le jour où vous voulez sortir un service et le spawner sur plusieurs instances, il n'y a aucun problème. Vous ne toucherez pas à vos autres codes. Comme j'ai dit, il y a des changements. Et tous ces changements sont exposés via WebSocket. Donc c'est facile à consommer comme c'est ressource oriented et ça marche bien avec React. Là, je vais vous faire une petite démo. Alors, ce que vous voyez tous, donc là, j'ai une application React. Donc, pour l'instant, j'ai rien, mais il s'est connecté à une interface WebSocket d'où je broadcast des changements. Donc si je lance... Donc, là, je vais lancer un script qui va créer 20 ressources, qui va attendre 10 secondes et qui va les faire muter. Voilà, là on les a récupérés. À un moment, il va les faire muter. Voilà. Donc ça, pareil, le code React, c'est moins de 100 lignes. Alors il y a un dernier truc que j'ai pas dit, mais que j'ai le temps, c'est qu'il y a aussi un concept de job dans 0.6, où à l'inverse de ce que vous avez comme Celery, où quand vous recevez une mise à jour, je dis bah, « je vais exécuter ce job », là on inverse le contrôle, et on a des workers qui disent « là on a des ressources de type power, on a une valeur, on a un statut ». On va créer un worker qui dit « pour toutes les ressources de type power qui sont en statut pending, bah, je vais exécuter le code qui va juste calculer valeur fois valeur ». Et c'est ce que je vais lancer. Donc il va attendre 10 secondes avant de récupérer l'ensemble des ressources. Et donc du coup, il va exécuter son code. Voilà, de façon automatique, pas de problème. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vu que tous ces changements sont broadcastés, il peut aussi répondre en quasi-temps réel quand les objets sont mutés. Donc là, je vais relancer mon petit script qui fait du randomize. Et vous allez voir que, bah voilà, là, on les a réinitialisés. Le worker s'est lancé tout seul. Et là, c'est parti. À chaque fois qu'il y a une ressource qui est modifiée, donc c'est broadcasté via WebSocket. En parallèle, le worker reçoit l'événement, lance son code, le remet à jour, et c'est rebroadcasté via WebSocket. Et donc ça, voilà, le code Python est... ouais, super. J'aurais pas dû mettre à jour 0MQ, il y a un bug, c'est pas grave. Mais, très bon exemple, le worker a pété, très bien, c'est pas grave. Je relance, puisque justement, vu que j'ai dit que c'est le worker qui définit ce qu'il fait, on va avoir un système convergent où il va essayer petit à petit de rattraper son retard. Donc voilà. Je suis allé plus vite que... Non, c'est bon, nickel. Ok, bon bah, essayez-le. C'est en prod nulle part. Je joue avec. Je serais ravi d'avoir du feedback dessus, donc c'est une expérimentation de choses que je ne voyais pas dans la communauté open source. Et je suis là pendant les sprints, si vous voulez jouer avec, si vous voulez partager des patchs, si vous voulez critiquer le code. Allez-y. 5 minutes de questions. Non, pas de questions. Vous êtes convaincu? Ah, j'attends tes questions. Hein. Vas-y. Ah, il y a un micro qui arrive.
Alors, j'ai une petite question par rapport au fait que tu aies énormément parlé d'orchestration, que ton framework, ton truc Zero Services fait de l'orchestration. Ouais. Il me semble que ça peut rapidement poser problème dans la mesure où de l'orchestration, tu as besoin d'une intelligence centralisée, d'une manière ou d'une autre, et que ça casse un petit peu le concept de microservice. Comment est-ce que tu règles ça dans ton truc ? Alors, justement... L'une des différences entre le SOA, qui est les architectures orientées services, et donc là, les architectures microservices, c'est qu'à l'époque du SOA, on essayait de mettre le plus de logique dans les message queues. Donc, par exemple, Rabbit, tu peux mettre énormément de logique, mais dans la littérature, il y a eu des retours d'expérience qui disaient que bah, ça ne scale pas. Donc, du coup, là, on essaye de mettre plutôt de la logique dans les services eux-mêmes et que les tuyaux soient bêtes et méchants. Et après, tout va dépendre de ton use case. Effectivement, les microservices ne répondent pas à tous les besoins. Jusque-là, de ce que j'ai expérimenté, la logique côté service, ça ne posait pas de problème. Si tu as un exemple particulier, on peut travailler dessus si tu veux. Je pense que tu peux lui laisser le micro. Hein. Je ne vais pas monopoliser la session de questions, on discutera tout à l'heure si tu veux. En fait, c'était juste par. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée de mettre toute la logique côté service, hein, ça c'est, ouais. C'est totalement. Ton message bus ne doit rien faire d'autre que transmettre des messages. Mais alors, il y avait un exemple que tu avais montré, le premier ou le deuxième exemple de code. Alors, attends, je te remets ça. Celui-là, où tu as l'API HTTP ouais, alors attends. Ou celui-là ben en fait, tu avais juste là le resource service. Ouais. Ça, c'est pas mal parce que du coup. Alors, j'ai pas. Le resource service, si tu veux, c'est juste l'orchestrateur. Enfin, l'orchestrateur. C'est lui qui lit un message, c'est lui qui reçoit le message du 0MQ Medium et qui va appeler la bonne ressource en fonction de son nom. Voilà, la clé, c'est un peu ça, c'est la bonne. Comment il sait quelle est la bonne ? Comment est-ce qu'il... Parce que tu as parlé de service discovery dans tes slides précédents. Comment est-ce que les services sont découverts ? Comment est-ce D'accord. que tu fais pour ne pas avoir d'intelligence centralisée pour que tout le monde puisse communiquer ensemble en fait ? Si tu veux, quand ce process-là, il arrive sur le réseau, il dit « Hey, je suis sur le réseau, je m'appelle Power Service et gère les ressources de type Power. » Du coup, l'API reçoit le message, se souvient... que ce service-là, qui est à cette IP-là, gère la ressource Power. Et du coup, quand lui, il a une requête sur la ressource Power, il sait qu'il doit forwarder le message à ce peer-là sur le réseau. Il attend le résultat. Ce peer-là reçoit, dispatch à la MongoDB Collection, parce que pareil, il a une hash table, renvoie le résultat, et après, l'autre, il reconvertit et ça marche. Donc effectivement, il n'y a pas l'approche où tu as un nœud central qui dit quand tu gères la ressource power, il faut que tu ailles taper sur ces nœuds-là. C'est entièrement pair à pair. À l'inverse de la plupart des architectures où on met un zookeeper ou autre chose au milieu, soit en message queue, soit juste pour la discovery. Là, c'est entièrement pair à pair et ça, j'espère que ça scale. Les performances sont pas dégueulasses. J'ai déjà fait quelques tests. Nickel. Ah, une dernière question. Est-ce qu'on a le temps? Le temps que je me débranche. Ah, ça prend du temps. Il est coincé là. Hein? Pour? Ah bah si tu veux. Ah non, tu vas regarder mes mails. Non, je préfère pas. Non, il y a un autre ordi. Oui, si ça y est. Ma question c'était de savoir, Boris, je sais pas si tu m'entends, ouais, si c'est possible d'enregistrer plusieurs nœuds sur la même ressource ou pour l'autre balancer la charge par exemple. Alors idéalement oui, actuellement non. Merci. Voilà. Donc un petit rappel là, c'est mes copains de Mozilla qui vont faire une conf aussi sur les microservices. Donc rappelez-vous bien ce que je vous ai dit, un microservice c'est isolé sur le réseau. Hein. Pas qu'ils essaient de vous vendre autre chose.